nous sommes en présence de Lucas, responsable de Tipeee.com. Peux-tu expliquer la genèse du projet et son fonctionnement ? Alors Tipeee, c'est un site de financement participatif à destination des créateurs de contenu du web basé sur la philosophie du pourboire qu'on a lancé en décembre 2013, donc il y a un an et demi maintenant. Ça permet aux créateurs de contenu de se faire soutenir par leur communauté et par les gens qui les suivent sur la base du pourboire. Ça leur permet de continuer à créer dans de bonnes conditions, donc que ce soit pour s'acheter du nouveau matériel, des costumes, je sais pas, de faire des déplacements, tout un tas de choses. Donc, à la différence du financement participatif classique, on est sur un financement récurrent, il n'y a pas de gros montants à atteindre, ni de jauge, ni de durée de collecte. Tout ce qui est récolté sur Tipeee revient au créateur, que ce soit chaque mois ou à chaque sortie de nouvelles vidéos. Donc après un an et demi d'existence, quel est le bilan ? On est plutôt très contents. Aujourd'hui, il y a 600 créateurs de contenu qui sont inscrits sur le site, près de 5000 tipeurs qui soutiennent ces créateurs de contenu. On est en pleine croissance. Chaque mois, on récolte de plus en plus de tips, donc on est vraiment très contents de ces résultats. Maintenant, il faut que ça se développe encore. Mais après un an et demi, on est plutôt contents et c'est un bilan positif pour nous. Alors, des projets pour l'avenir ? Alors, les projets pour l'avenir, il y en a pas mal. Dès aujourd'hui, on complète notre offre avec Tipeee Stream, qui est un outil de donation live pour les streamers, donc qui leur permet, pareil, de récolter des dons. Donc, ça vient compléter ce qui existait déjà avec Tipeee, ce qui fait que Tipeee se développe dans la donation en général sur Internet. Et après, nos autres projets, c'est bien sûr continuer à se développer. On a lancé, il y a peu, la version allemande du site et la version espagnole. Donc, petit à petit, c'est aussi s'élargir à toute l'Europe. Certains youtubeurs décident de ne pas donner de contrepartie. Qu'en penses-tu ? Ça doit être un choix, ça doit venir d'eux. Dans tous les cas, une page Tipeee, ça appartient à un créateur de contenu, il faut qu'elle soit totalement personnelle. C'est vrai que certains ne veulent pas en donner. Nous, on avait dans cette idée, quand on a lancé le site, que c'était très important qu'il y ait forcément des retours, mais on s'aperçoit que les gens ne veulent pas forcément avoir un retour quand ils donnent. Tous les tipeurs ne prennent pas de contrepartie. Il y a 40% des tipeurs qui ne prennent pas de contrepartie, ce qui est plutôt énorme. Donc aujourd'hui, nous, ça ne nous pose pas vraiment de problème. Je pense que ça doit être un choix du créateur de contenu de dire s'il veut donner ou non des contreparties. Donc nous, on n'a pas vraiment à leur imposer quelque chose. On veut que ça reste libre et que ce soit leur page, que ça leur appartienne et que ça reflète vraiment, vraiment ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Ben, merci d'avoir répondu à nos questions. Hein, et très bonne journée.